est une riante ville de 2000 habitants située sur la façade orientale du Capo di Leuca. Son territoire, qui figure parmi les bourgs authentiques d'Italie, offre aux visiteurs de nombreuses beautés, allant des monuments historiques et artistiques des grandes valeurs aux paysages naturels typiques de la campagne et de la mer. Le territoire de Tigiano conserve encore la spontanéité typique d'une terre caractérisée par des oliveraies fécondes et des anciennes architectures traditionnelles typiques de la civilisation paysanne, comme les terrasses en pierre, les paillares et les fermes fortifiées. Ce n'est pas un hasard si la célèbre couple de Hollywood, Helen Mirren et Taylor Eckford, s'est établie récemment dans la campagne de Tigiano en réaménageant l'ancienne ferme de Torre Matine, qui date du XVIe siècle. L'olivière prospère dans les campagnes de Tigiano, parmi les champs verts qui s'étendent dans tous les territoires. Pendant des siècles, les cultures d'olivière ont soutenu l'économie locale grâce à la production du très apprécié huile. Parmi les forêts d'olivière, il est facile de rencontrer les anciennes paillares, des architectures rurales réalisées avec la pierre provenant des campagnes. Les paillares étaient destinées à des utilisations différentes, comme entrepôt ou magasin, ou pour la garde du bétail, et pendant les mois d'été, ils étaient utilisés aussi comme logement. Le patrimoine en l'école a été transmis de père en fils, et aujourd'hui encore, il est possible de noter la grande dévotion familiale envers les soins des arbres et des fonds agricoles. Même les centres historiques présentent aujourd'hui encore des intéressantes architectures traditionnelles, et il est enrichi par les palais du maître et les édifices des cultes. Les premiers documents concernant Tigiano remontent à la domination angevine, lorsque le village était englobé dans la comté de Alessano. En marchant dans les petites rues de l'ancien bourg, on redécouvre le charme de la simplicité typique du lieu, parmi le parfum du basilic et les couleurs chaudes des enduits ou du tuf local. Dans Via Ovidio, on peut admirer les caractéristiques Arco dei Trentacani, un édifice du XVIe siècle qui s'impose avec ses formes solennelles sur les petites maisons d'alentour. La sobre dévotion religieuse de l'aristocratie locale est visible dans l'oratoire dédié à Saint-Michel-Archange. Datant de 1590, il a été édifié par la famille Arcella, ancien seigneur de Tigiano. Près de la chapelle, il y a le portail de la maison Arcella. En haut, le blason héraldique, caractérisé par une croix à carreaux, ressort. Réalisée et décorée selon les styles du baroque local, l'église mère a été renouvelée au XVIIIe siècle. L'édifice s'adresse sur un plus ancien site religieux où l'on peut noter les traces architectoniques et décoratives datant des siècles XIIIe et XVIe. À l'intérieur figurent les décorations en marbre, qui donnent solennité à l'environnement et exaltent les formes des autels latéraux. Placés à l'entrée de l'église, les fonts baptismaux en pierre sont parmi les plus anciens dans les Capo di Leuca et datent de 1585. L'hôtel dédié à Saint Alessandro Sauli, ancêtre de Ippado Serafini Sauli, baron de Tigiano et commettant de la chapelle, est lié aux événements féodaux de l'ancien village. La toile, de grande valeur artistique, a été peinte en 1780 par l'artiste Saverio Lillo de Ruffano et elle représente Saint Alessandro qui bénisse les fidèles. L'église conserve aussi l'ancien tableau de la Vierge de Constantinople,
qui date de 1580 et fait partie des richesses de la noble famille Arcella. La caractéristique iconographie rappelle les brutales attaques turques qui s'abattirent sur les côtes de l'Italie méridionale pendant des siècles. Parmi les nombreuses décorations ressortent celles du chœur en bois placé dans l'abside de l'édifice. Les stalles sont peintes à des trempes et remontent au début du XVIIe siècle. L'église est dédiée au saint byzantin Hypatio, évêque de Cangra et saint patron de Tigiano, fêté par la communauté le 19 janvier. Lors de la traditionnelle foire et fête patronale, il est d'usage de consommer le pestanaque de Santopati, des variétés de carottes typiques du territoire de Tigiano. Le palais baronial Serafini Sauli ressort dans le centre de Tigiano. Comme un bon nombre d'édifices féodaux en terre d'Otrante, la structure servait à la fois de forteresse défensive et de résidence nobiliaire, et pendant des siècles, il a subi nombreuses modifications architectoniques. Le profil de l'ancienne tour de défense, ensuite englobée dans les corps du palais datant du XVIIe siècle, remonte au XVe siècle. Les caniveaux placés au sommet de la structure et le petit clocher-mur sont aujourd'hui encore visibles. Très intéressant est le balcon de réception, sculpté et entaillé en caractéristique iconographie baroque, qui servent des cadres au monogramme des barons Serafini Sauli, feudataires de Tigiano. À partir de 1985, l'édifice est propriété de la commune de Tigiano et il comprend différentes réalités culturelles, comme la bibliothèque, la salle des conférences et les musées. Le palais montre à l'intérieur des salles spacieuses et lumineuses, ravivées par les précieux sols en faïence de toutes couleurs. Dans la salle des réceptions du palais, aujourd'hui s'est réuni le conseil municipal de Tigiano. De là, on peut accéder à l'ancien oratoire du palais, où il y a un raffiné hôtel en style rococo, sculpté en pierre de Lecce. Dans les salles internes du palais, il y a les musées de la civilisation paysanne. Ici sont conservés de nombreux objets et outils traditionnels, datant du siècle dernier, patrimoine du monde agricole et rural du Salento. Il est possible d'admirer la reconstruction d'une typique chambre à coucher du passé, avec l'exposition d'un métier à tisser original. Avec cet outil, les femmes du Salento réalisaient autrefois les trousseaux et les vêtements pour la famille. Grâce au protocole d'accord signé par la municipalité et la couple Nieren-Eckfort, les salles du palais vont accueillir le nouveau musée du cinéma western, axé sur la culture cinématographique italienne des spaghetti western. De la cour du palais baronial, on accède aux jolis jardins à l'italienne, enrichis de magnolias et d'arbres d'agrumes parfumés. Le jardin est organisé en 8 plates-bandes,
divisé par un réseau routier périmétrique central. Un magnifique décor, encadré par la façade intérieure du palais et les arcades qui entourent l'entrée. La coopérative Terra Rossa a lancé depuis quelques années un projet d'apiculture pour la collecte du miel produit par les abeilles et provenant des nectars des arbres fruitiers. Sur les périmètres du jardin, il y a la tour pigeonnier, historiquement utilisée pour l'élevage des oiseaux. La zone verte du palais de Tigiano s'ouvre dans un grand parc des forêts méditerranéennes, caractérisé par des arbres de chêne vert à haute tige et de pignons. La longue allée du Petit Bois termine avec une coffhouse, structure en pavillon utilisée comme décoration architectonique et lieu de détente. C'est comme une immersion dans la nature préservée, dans un environnement qui se prête aisément aux activités de remise en forme et au temps libre des familles et des enfants. Le paysage côtier de Tigiano est dominé par Torre Naspero, une tour du XVIe siècle située au sommet d'une éminence rocheuse à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. La structure militaire rentre dans le système d'alerte des tours côtières de la province des Terres d'Otrante et elle a été construite en 1565 sur ordre du duc d'Alcala, vice-roi du royaume de Naples. Autrefois, elle communiquait avec Torre Palane, située sur la côte de Marina Serra de Tricase, et avec Torre Specchia Grande, située sur les serres de la ville de Corsano. Dans certaines cartes de la province de Terre d'Otrante, la structure est appelée aussi Torre di Valiano, nom qui provient de l'homonyme et ancien groupement de maisons qui se trouvait près de Tigiano. En partant de Torre Naspero, on peut attendre la mer en marchant le long du belvédère, situé à ses pieds, pour profiter des prés de la splendide vue. D'ici, l'horizon disparaît dans la profondeur d'un magnifique bleu, ravivé par les couleurs de la mer méditerranéenne. Les pentes des hauteurs du Salento coule à pic dans la mer, en projetant sur elle leurs ombres. Les nombreuses olivières arrivent jusqu'à la mer avec leur terrassement, tandis que les anciens murets de pierres sèches s'élèvent sur l'immense champ de terre rouge. Le vent provenant de l'est transporte les forts parfums de la végétation naturelle spontanée, qui grandit et prospère sur la côte de Tigiano. Lorsque la lumière se perd dans les couchers du soleil, la côte prend des couleurs et des ombres pittoresques. C'est une invitation à profiter des beautés de Tigiano, territoire capable d'unir l'authenticité des paysages à la tradition de l'île.